nan sénateur la Tibonite lan grâce à Delva parce que nous dans moment on a parlé là Beethoven a parlé avec lui sénateur selon directeur exécutif RNDDH dans monsieur Pierre Espérance il fait qu'on est soupçonné et sénateur la Tibonite tant que tant non cité dans Cocodaï ak Arnel J dans cadre on enquête et on l'autre sénateur Temenin c'est président commission justice sécurité ak défense nationale et sénateur sénatrice Temenin dans dossier ça et mais pour ça qui concernait pour n'a faire quoi il là selon directeur exécutif NDDH non il soupçonné grâce à Delva sénateur la Tibonite nan yon ka kidnapping qui passait dans date 14 mars 2019 nan yon intervention li fè sou antenne radio Kiskeya et matin nan journal alternative monsieur Espérance fè konnen gang Arnel Jia te kidnappé yon citoyen ak deux employés nan zone cimetière Port-au-Prince moun sa yo t'ap sorti Léogane et selon directeur exécutif NDDH tan bandi yo t'ap pral mené moun sa yo nan village de Dieu directeur exécutif NDDH tan fè konnen 17 mars madame victime nan yo te kidnappé a et qui se voisin sénateur Gracia Delva te mandé sénateur à concours sénateur a te tandel toujours selon directeur exécutif NDDH nan et li di et sénateur t'ap pral relé Arnel J et sans li pa informer la police li fè libérer moun yo te kidnappé Monsieur Espérance en fait connaît dossier ça déjà devant la justice et souhaite paquet à transférer dossier à dans cabinet d'instruction pour juge instruction qui pourra instruire dossier ça mandé pour yo lever immunité sénateur pour mettre à la disposition la justice. N'attendait directeur exécutif NDDH monsieur Pierre Espérance dans interview ça matin en était by collaborateur non Beethoven François Fils. C'est un kidnapping qui fait le 14 mars dans zone cimetière Port-au-Prince. C'est trois mounio kidnappés. C'est un monsieur avec des employés. Et ça passait avant 6 heures dans l'après-midi. Côté que, il était sorti Léogane dans l'activité. Il a kidnappé dans zone cimetière, il a mené au village de Dieu. Après ça, il a gagné Anel-là, mené Anel dans la Tibonite. Ça passait le 14 mars 2019. Le 16 mars, madame victime, qui c'est voisin sénateur Gracia Delva, là, il ouais sénateur, il mandé sénateur pour aider lui. Le même jour, sénateur a fait deux appels. Une sous téléphone Anel Joseph, l'autre là, sous téléphone, l'autre appel il fait, c'est sous téléphone, monsieur au kidnappé, mais téléphone dans la main, Anel. Le 17 mars, madame, nan, retourne pour le sénateur. Il m'a dit, sénateur, qui ça ou joint pour moi, qui ça gagne comme information? Sénateur, grâce à Delva, dit madame, nan, il pas joint en rien, il fait quelques coups de fil, il pas joint en rien. Famille a payé 110 000 dollars américains avec 50 000 gouttes pour le libérer. Sénateur n'a pas jamais informé la police de dossier ça, et il pas jamais dit madame, nan, il était en contact avec Anel, il pas dit madame nan tout qu'elle t'a relé sur téléphone Marie et qui nan moment ça téléphone nan t'en main et sénateur donc dossier nan paquet Port-au-Prince depuis le 26 juillet nous même nous mandé commissaire gouvernement pour envoyer dossier nan cabinet d'instruction et juge d'instruction qui a pris ce dossier ça pour demander ça pour mettre sénateur Gracia Delva à la disposition de la justice. Et Mounio, comment y est, Mounio libéré, c'est contre rançon, c'est qui est ce te bay kob la? Bon, yo bay kob la avec moun qui tap négocié avec yo. Et yo paye rançon, hein, Jamain Doula, qui c'est 110 000 dollars américains. Et nous disons que moun sa ou kidnappé a ses voisins et sénateur a été rentré en contact avec Anel, sous téléphone Anel, et n'y parlé avec Anel sous téléphone et otage, mon yo kidnappé, et le lendemain, lui dit famille, il pas jouer rien, il fait quelque côté, il va jouer aucune information. Donc, tout le monde connaît que relation gang Anel a gagné avec sénateur.
Voilà, c'est directeur exécutif NDDH, monsieur Pierre Espérance. Et sous dossier ça, accusation gravement grave concernant sénateur Latibonite, qui déjà était gagné un rapport Sénat concernant lien avec chef gang et village de Dieu, mais tout faut qu'on dise parce que déménagé pendant plusieurs mois, il était à monter tante et dans le département de Latibonite, plus précisément marchand de Sardines, n'a parlé de chef gang Arnel J. Et voilà, c'est, mais nous avons pris contact avec le sénateur Gracia Delva, qui parlait dans le téléphone avec Beethoven François Fils, qui fait qu'on est, n'a pas cité, n'est pas intéressé par l'interview, la justice pas faite ni dans la radio, ni sous place publique, la justice pas faite ni dans la radio, ni sous place publique, c'est ça le dit. Mais nous entendons le sénateur qu'on bail interview et qu'on qu'on répond et sous accusation qui gagne sous dol. Mais il n'a pas répondu à ce qu'il y a, c'est seul ça, il dit non, la justice n'est pas faite ni dans la radio, ni sous place publique, sans qu'il n'y ait ni confirmé, ni démenti, accusation gravement grave ça, yo, concernant qui sont sénateurs républicains, mais n'apprend ça toujours un lien avec un chef bandit Arnel J. L'autre point concernant, justement, apprendre que Arnel J quittait l'hôpital côté où t'es opéré là, li exéaté et li nan men la police. Et puis gagné non sept anciens responsables, là deux anciens premiers ministres, cinq anciens ministres étaient convoqués. Finalement, je dis a gagné un ancien ministre qui a répondre question juge Ramosi Taximé, parce que tout l'autre ancien ministre jusqu'à présent avec ancien premier ministre, il n'y a pas de mettre pied, c'est avocat qui était allé au juge pour demander une date. Mais ancien ministre planification et coopération externe et dans le régime tête Kalea, et n'a parlé de M. Yves-Germain Joseph, qui était tout et secrétaire général palais national sous gouvernement Sakila, et bien il était répondre et juge instruction Ramosi Taximé. Et je dis à ce dossier qui vient à revoir avec Petro Caribéa. Il était accompagné de avocat qui se met Grégory Maillard-Paul. Il était passé plus que 3 heures de temps dans le cabinet juge Ramosi Taximé. Je dis à. Non, ça nous relève par la justice. Et après séance audition, ancien ministre planification et coopération externe, pas de répondre à la question journaliste qui était là, la dernière représentant. Radio Kiskeya, malgré toute tentative, la presse te fait, il pas répondre. Et M. Yves-Germain Joseph, te quitté par la justice en bas, gros mesure sécurité, et puis tout dans une ambiance, qu'on a de plusieurs militants politiques qui t'a battu Chalbari de elle, de militants politiques qui engagés dans le dossier Petro-Caribéa, et n'attendez comment ça te y est, dans le micro Hervé Noël. Monsieur Amé, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Voilà, c'était quelques militants Cap Goumen pour procès Petro-Caribéa qui ont autant de voix là, mais ancien ministre non, seulement quoi le débat un salut, mais il pas répondre question journaliste était gars avec les avocats Maître Grégory Maillard-Paul. N'a pas rappelé Yves-Germain Joseph était ministre planification à coopération externe sous premier et gouvernement régime tête Kalea. Et ben li pat allé là en tant que secrétaire général et palais national, et c'est en tant que ancien ministre planification et coopération externe. Faut que nous pas faire confusion, même j'en tourne en cas et Wilson Lalo qui était chef cabinet et président Jovenel Moïse, c'est pas pour, parce que il était président, il était chef cabinet qui fait relais, parce que il était ministre économie et finance. Parce que vous connaissez deux ministères, ça, yo, avec premier ministre, jouer un rôle capital
nan question affaire de projet de voyer projet al DKC COB nan ministère des finances. Et donc c'est pour place ancien ministre planification à coopération externe était trouvé devant la justice. Faut que nous dit dans 7 personnalités qui visaient dans premier convocation ça, c'est dit même seulement jusqu'à présent qui répondent. Deux anciens premiers ministres qui c'est Jean-Max Bellerive ensemble avec Laurent Lamothe pape mettez pied, même genre de ministre tant que Wilson Lalo ou bien ancien ministre tant que Marie-Carmel Jean-Marie, yo pas allé, c'est avocat qui a demandé une autre date.